Vous avez 31 ans. Vous avez été arrêté à 23h50 en possession d'un kilo de tabac. Vous pouvez m'en raconter un peu plus ? Non. Si lo so, non dovrei lasciare il cuore aperto. Ma però le chiavi non so più dove le ho messe. Così vengo in casa. Où il est, Lucas ? Qui sont vos fournisseurs ? Donnez-moi des noms. Je les connais pas. Je suis assez seule. Ma famille est inexistante. J'ai des amis, certes, mais bon, on s'échange quelques mots, on fait un dîner, alors. Et après. J'aime bien la nuit. J'aime bien la nuit parce qu'on est seul, parce qu'on se sent un peu plus libre finalement, même si c'est stressant parce qu'on sait qu'on fait quelque chose d'interdit, mais ça fait partie de moi et je pense que je me sens apaisée en fait. Ça donne un sens à ma vie, j'ai l'impression d'être utile à des gens qui comme moi n'ont pas envie de se plier forcément parce qu'ils sont pas contents de ce qu'on leur impose. M'ont apporté, avec qui j'ai pu échanger. Peut-être que justement je cherche quelqu'un à travers ces rencontres et peut-être que c'est ma manière à moi d'avancer et d'exister, voilà. C'est tout. Vous travaillez ? Non. Pourquoi ? Bon, et celui-là, alors, vous l'avez rencontré quand ? Je l'ai rencontré... Je connais rien sur lui, c'est pas la peine de m'interroger, je sais pas. Je connais juste son nom, je... C'est la première fois que vous transgressez une loi ? Vous couchez ensemble ? Non, c'est... un filo di vento. Eppure le cose continuano a muoversi, ma le cose non cambiano mai, si spostano solo da un luogo ad un altro.
fume parce que ça me rend libre, parce que j'ai l'impression d'avancer, parce que j'ai l'impression de faire bouger ce monde de merde là où rien ne bouge, où tout est figé. Chiave nell'acqua, le navi tornano nel porto.